Salut à tous, ici Growling Flesh et on se retrouve sur Super Crate Box, sur lequel j'avais déjà fait un épisode il y a quelques mois maintenant. J'avais envie de refaire un petit épisode dessus, donc on va se lancer ça de toute façon. Hein. Je réexplique le principe pour ceux qui auraient oublié en quoi ça consiste. Tuer des ennemis, donc voilà, en gros, il faut tuer... faut tuer des ennemis. On n'est pas obligé de les tuer dans l'absolu. Disons que des ennemis apparaissent et en fait on fait des points en ramassant les caisses. Si les ennemis arrivent jusque dans le feu ici en dessous, qu'on voit au centre de l'écran, ils réapparaissent sur le dessus mais en version pas cool, en version beaucoup plus rapide. Mais pas plus puissante, ça c'est pratique. Alors il y a trois types d'ennemis. Il y a donc le petit vert qui marche là, vous pouvez voir depuis le début. Il y a le blanc qui vole, qui est relativement ennuyant. Et puis bah voilà, il y a celui-là, l'énorme bidule. Hop. Alors, donc concrètement, on va voir si je rage assez rapidement ou pas, parce que c'est un jeu sur lequel je rage beaucoup. Hop. Parce que bah voilà, c'est un jeu compliqué, parce qu'on oublie, on fait vraiment vite fait des bêtises, et quand on fait des bêtises, on ne se le pardonne jamais. Jamais. Encore de mes premières parties, j'ai encore des regrets aujourd'hui. Bon, c'est pas vrai en entier, mais c'est plus ou moins ça. Alors, des mines. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des armes, vous voyez, vous avez pas du tout le choix. Alors, celui-là, c'est une saloperie en plus. Vous avez juste de faire un retour arrière, comme ça. Et si on se le prend, on meurt, évidemment, sinon c'est pas drôle. Ah, ok. Ok, donc vous voyez que j'ai mes points au-dessus. Hop, qui augmentent à chaque fois que je prends une caisse. Et donc le tout est de gérer les ennemis. Et les caisses, tout simplement, d'arriver à... Hop, à ne pas se laisser emporter, vais-je dire. Et il y a plein de petits trucs qui font rager à mort du genre le lance-flamme. Oh, ça c'est... Le lance-flamme, il vous fait sautiller sur place. En gros, quand vous marchez dans les flammes, ça vous voyez. Et ça, c'est super chaud pour caler un saut là-dessus. Il y a des fois où ça fonctionne pas comme on le voudrait et c'est juste violemment énervant. Hop là. Alors, là j'arrive à un score relativement respectable. Ce qui est étonnant. D'accord. Quelque peu raté ce que je voulais faire, mais bon, pourquoi pas. Yes, voilà. Wow! Vous voyez le genre de bêtises qu'on peut faire et qui mène à la mort. Voilà. Alors là, je suis en mode normal. Il y a un mode super boosté où il y a des ennemis partout. C'est une horreur, je vous le montrerai après. Alors pour la petite info, le jeu est disponible sur Steam. Je sais plus pour combien, mais il est pas cher. Je crois qu'il coûte la bagatelle de quelques mini-euros. Wow. Ah, et je me suis... Voilà, et voilà. Alors, l'erreur fatale. On va... Alors, je vais vous montrer. Donc, vous voyez le mode normal. Il y a le mode SFMT. Qui est une horreur déjà en lui-même. Et puis, il y a le mode embuscade. Que je vous montrerai encore après. Qui est une horreur x2. Donc, voilà le nombre d'ennemis qu'on a en mode SFMT. Sur le premier niveau, ça va, c'est facile en fait. Enfin, c'est facile, c'est-à-dire que... Ah ! Bon, j'ai fait 4 caisses, c'est super simple. Et là, j'ai fait la bêtise de lâcher mon katana. Hop là, ça c'est fait. Ça c'est fait. Alors, les ennemis ne sont pas plus résistants que dans les autres modes de jeu, mais c'est juste qu'ils sont... Un chouïa plus nombreux, comme vous pouvez le voir. Et un chouïa plus... Les blancs, surtout ceux qui volent, sont vraiment énervants.
ils sont, mais allez hop. Un de plus. Un de plus. Oh la bêtise, j'ai été me jeter dessus. Désolé. Alors on va voir. Là ça va, ça fait 5 minutes, je ne rage toujours pas. Ça c'est très très débile de ma part. Hop là. Hop là. Le problème c'est qu'en fait en mode dans ce mode là. Oh ça c'est très con. C'est qu'on fait des... On essaye de gérer le nombre d'ennemis. Et en fait c'est super chaud. Ok c'est bon. Waouh waouh waouh. Ok. Ok on va... Donc gérer le nombre des... Oh je l'ai pas tué, attends. Gérer le nombre d'ennemis, et le problème c'est qu'en gérant le nombre d'ennemis, il y a des fois on a juste pas le temps d'aller chercher les caisses quoi. Et le truc c'est qu'on a toujours un peu peur de laisser tomber un ennemi dans la le feu juste en dessous et qu'il revienne en mode violent, violence totale. Ok, ça c'était beau. Ça c'était un multishot de la mort. Oh mon dieu, je regardais où était tombée ma grenade. Là aussi je crois que ce serait assez intéressant de mettre le capteur cardiaque. Ok, ça c'est fait. Ok, ça c'est fait. Ok. Ah, et l'autre qui va... Ah, oh, et puis je regarde trop où la grenade va tomber. Ok, c'est bon. Katana. Jume ! Pour ceux qui se souviennent. Jume ! Et on avait donc cette grande conversation durant cet épisode d'ailleurs, où on essayait de déterminer si oui ou non, une personne avait volé du fromage. Dans un dans le château ambulant de Miyazaki. Je continue à maintenir qu'elle avait volé ce fromage. Elle a volé ce fromage. Elle était peut-être chez elle, mais elle s'est volé le fromage à elle-même alors. Si. Si, je paye pour les trucs dans le frigo. Non, j'ai pas vu, je l'ai pas vu se payer à elle-même le bout de fromage qu'elle a volé. Je les ai tous payés, c'est juste que tu as mal regardé. Ah, je suis mort. Alors le truc, c'est que parfois on a une caisse de mal posée avec, en même temps, un... Allez, une arme qui est pas forcément super, comme le double pistolet que j'avais. Et voilà, bah on est bloqué, on n'arrive pas à remonter. Allez ! Il y a des fois où il y a des petits bugs aussi. Ça, je sais que ça fait des trucs de rageux. Mais il y a des fois où il y a vraiment des petits bugs. Dans le sens où on est censé avoir tué un ennemi. Et au final, bah en fait que non. Alors je déteste le disgun. Ok, ça passe. Ok, bon. Bon là vous voyez qu'il y a un rouge qui est arrivé. Bon je l'ai eu assez rapidement, ça va. Alors je sais bien que ça a l'air super simple comme jeu, mais je vous conseille de le tester si vous avez envie de le tester évidemment. Je vous conseille quand même de tester. C'est marrant, c'est bon, franchement ça vaut son prix dans le sens où c'est voilà, c'est un petit délire. Ah voilà, le double pistolet ça va être une horreur. Et non, va falloir que je dégomme le rouge version badass. Ok c'est bon. Allez. Ok. Ok. Waouh waouh waouh. Alors. Minigame c'est d'une violence, j'aime ça. Est-ce qu'on va y arriver, oui. Waouh 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 waouh. Ok.
vous voyez le... Et là pourtant j'ai une bonne arme, hein, mais arriver sur le dernier le niveau le plus haut là, c'est une horreur. Voilà, ça y est, je l'ai. Et j'ai raté mon coup de katana. Voilà, on se retrouve, désolé, coupure, je sais pas, le jeu a planté ou je ne sais quoi, mais en tout cas, voilà, je disais donc que je vais vous montrer le mode embuscade, mon meilleur c'est 1, sur le premier niveau, hein. Après je vous montrerai vite fait les autres niveaux pour ceux qui n'auraient pas vu. Voilà en quoi consiste le mode embuscade, c'est des monstres qui apparaissent, en gros, à l'endroit où ils veulent. C'est une horreur, ok, j'ai battu mon record de 1. Et je suis mort, donc 3. Allez, je vais essayer d'arriver jusqu'à 5. Bon, il y en a déjà un qui est passé. Ok. Allez, 5, c'est faisable. Ah ! Ok, je suis à 6. Oh, 6. Yes. Je déteste ce mode de jeu. Allez, je viens de me prendre ma propre, mon propre disque. Ah, quelle horreur. Ah, ce jeu est une horreur. En mode embuscade, c'est juste ingérable, quoi. Ah ! Allez, j'essaye de battre 6 et après, je vous montre vite fait les autres levels. J'essaye de... Mon dieu, mais quelle horreur. Ah non, bon, allez, on se dépêche. Hop. Ah, oh, allez. Ah. Non. You slain a bleach. Ah. Wow. Ok, c'est passé. 5. 6. 7. Bon, je suis mort, donc voilà. On va aller voir vite fait donc les autres niveaux. Donc il y a le niveau 2. Je vais jouer en normal vite fait. Qui est un peu plus compliqué que le niveau 1. Mais qui reste tout à fait gérable. Allez, dépêche-toi, c'est bon. Voilà. Hop. J'aime pas ceux qui volent, ils viennent comme des... Tels des... Hein, voilà. Et puis en plus, ils... Vous voyez. Et donc au final, bah... Voilà. C'est très clair ce que je viens de dire. Si, si, si. Waouh. Ok, j'ai pu en avoir deux d'un coup, c'est bon. On reprend le flamethrower. Shotgun, laser rifle. Ok. Oh. Il va y avoir des problèmes. Foutre une mine ici. Ok, c'est la merde. Je crois qu'on peut le dire. Ok, j'en ai une au milieu. Ok. Ok, j'ai repris le dessus, c'est bon. Ah, mon dieu. Ok. Alors, truc qui peut paraître bête, c'est qu'on peut passer par en dessous, mais c'est tellement chaud que, personnellement, j'ai appris à éviter de le faire. Hop. Ok, c'est bon, allez, on peut passer. Toi, tu prends un coup de bazooka, tu l'as cherché. Fallait... Hop là. Toi aussi, tu prends un coup de bazooka, et ton copain aussi, d'ailleurs. Ok. Ok, bazooka dans ta tronche. Eh, ça avance plutôt bien. Hein. Ok, hop, minigun. Tiens, toi tu prends. C'est nul. Le minigun, hop, toi tu prends. Toi tu prends. Toi tu prends. La méga dose. Wow. Ok. J'attends que c'est... Voilà. Voilà.
Ok. Mon record ici c'est 44. Ça va, je rage pas trop jusqu'à maintenant. Je sais pas, aujourd'hui je suis dans une bonne journée. Il y a des fois où je fais juste du caca, mais en pack de 6 quoi, c'est n'importe quoi. Comme cette expression d'ailleurs, hein, que je viens d'inventer devant vos yeux zébobis. Ah oui, c'était zébobissant. Hein. Alors. Ah, fallait me le prendre et c'était très masculin comme hein, très viril. Ah. Ah. Et voilà, 37. Ok, donc vous avez vu ce level, je vais passer au dernier level. Celui-ci, avec deux trous. Ce qui est relativement gênant, figurez-vous. Et non, il est compliqué à gérer ce level. Voilà. C'est vraiment un level difficile en fait. On pourrait pas croire, on pourrait se dire mais non, mais c'est changerie, qui dit conneries le crawling là. Et ben non en fait. C'est pas que des conneries, parce que... Qu'est-ce que je dis? Un petit peu, mais... Pas trop non plus. Ça, ça passe. Alors, hop, hop. Allez, on se dépêche, on va essayer d'arriver à 10. 8, 9, et à 10, tranquille. Waouh! Voilà. Oh, et c'est le volant qui m'a eu. Alors juste pour le plaisir des yeux, je retente une dernière fois. Ouais, bon, c'est, voilà, on a compris. Juste pour le plaisir des yeux, je vais me remettre sur le premier level, mais en mode SFMT. Et on va voir combien de temps je peux tenir. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait là, je sais pas ce qui s'est passé du tout. qu'est-ce que je fais? Oh là là, le crawling, ça y est, il est en mode... Il est en mode plus gérable du tout, ça y est, c'est la fin. Ok, ça passe. Ok, il va falloir que j'aille chercher une caisse alors que j'ai pas d'arme du tout. Bon bah tant pis, il y a plein de bestiaux qui vont arriver et moi je vais décéder. Voilà. Ça c'est fait, j'ai fait deux caisses. Allez. Motivé. Allez. Allez crawling. Tu peux le faire. On compte sur toi. Qui ça? Mais moi? Qui? Oui. Ah bon, hein. Je sais pas ce que je viens de dire. C'est l'effet super crit box. Bref. On va peut-être un peu arrêter de dire des conneries aussi. On va parler un peu de physique quantique. Ou de fromage volé, tout à fait. Si, volé. Ah, il a été volé. Ah si, il a été volé celui-là. Mais lequel? Oui, mais lequel de fromage? Celui de Miyazaki? Ça, je sais pas. Moi, je dis que c'est le fromage de la meuf dans... Ah oui, donc en fait, d'accord, celui-là, c'était le fromage de Miyazaki. Donc, elle, c'est pas Miyazaki. Donc, on est d'accord, elle l'a volé. Tu viens de le dire, c'est trop tard. Tu as perdu, j'ai gagné. Je suis fort, tu es faible. Je suis grand, tu es petit. Je bave presque en disant ça tellement je suis heureux de pouvoir l'annoncer au monde. Oh mon dieu. Ah mon dieu. Celui du film de Miyazaki. Miyazaki? Ah, je suis mort. Mivi pour tête tronche, je suis mort après une caisse, un vieux fait pour tête tronche. Vous avez vu, en fait c'est pas le jeu qui me fait rager, c'est ma copine. Elle est toujours là, elle est méchante. Non, c'est pas vrai, c'est un amour. Mais elle aime bien me faire rage. Vous avez entendu? J'espère que vous avez entendu. Appelez la police. J'ai peur chez moi la nuit. Même pas que la nuit d'ailleurs, le jour, la nuit. En fait, j'ai surtout peur la nuit, parce que pour le moment, la nuit, c'est là où je dors, et c'est elle où elle dort pas, et j'ai peur qu'elle me fasse des trucs bizarres, en fait. Et ne fais pas genre, tu en serais capable. Tu es un ange avec des ailes de démon. Et de la vaseline. Ah, quoi? Hello. Et de la vaseline, elle t'annonce ça, mais sans... Voilà, sans aucune...
sans aucun préambule, sans aucun bain mousse même, je dirais. C'est très drôle, riez s'il vous plaît, merci, c'est bien aimable. Vous serez payé, donc laissez-moi l'adresse de votre compte PayPal et je vous ferai un don si vous avez rigolé. Non, je déconne, je vous ferai pas ça, je suis pauvre. Je suis pauvre. Mais je vous aime. C'est pas parce que je vous aime que vous ferez des dons. Oula, je sais pas comment j'ai réussi à faire ça. Mais je l'ai fait, ok. It's a baby. Hop là, Gangnam Style. Ah mon dieu, fils de fruit. Fils de fruit. Alors ceux qui ne savent pas ce qu'est un fruit, eh ben je suis désolé pour vous. Écrivez ça sur internet. To fruit or not to fruit. Oh, fruity fruit. Ok. Oh, et en plus je saute dedans. Mais comme un... Prends sa gueule, démon. Oh merde, j'ai raté mon rebond a rebondi. Ok, ok. Ok. Oh, des mines. Oh, cette explosion de corps verdâtre, ça me fait toujours très beaucoup plaisir dans mon ventre. J'ai dit dans mon ventre, pas autre part, bande de dégueulasse. Ah ! Je suis désolé, quand j'ai peur, je crie je ne dirais pas le mot. Pas comme une petite vierge, c'est faux, c'est entièrement faux, cette affirmation est fausse, mademoiselle. Ah, je suis décédé ! Oh mon dieu, elle vient de dire qu'elle avait de la baseline et que j'étais plus vierge pour très longtemps. C'est une horreur. Et ça l'a fait rire. Appelez la police. J'ai peur. Allez, dernier essai, après on se quittera là-dessus. Non allez, je ne peux quitter que si je fais un score de 11. On va dire ça pour rigoler. Moment, ça va. Shotgun, revolver. Revolver, je dégage. Revolver, c'est très puissant, c'est très très bien, j'aime bien. Ok, this gun, ça c'est mauvais. Viol pistol, ok, j'ai fait un score de 11 après cette partie, je peux quitter. Et voilà, bah, j'ai fait un score de 11. Donc voilà, eh bien j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vert et ou un commentaire. N'hésitez pas également à tester le jeu. Franchement, moi, je vous le conseille. Il est rigolo. J'avais déjà. Vous pouvez aller voir l'autre vidéo. Vous cherchez Super Crate Box dans la playlist des gamophilia d'hiver, si je ne m'abuse. Et donc, bah voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc oui, si d'ailleurs aussi, si vous avez apprécié l'épisode, d'ailleurs, parce que voilà. Eh bien n'hésitez pas à me laisser un pouce vert et ou un commentaire à votre convenance. Et n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner afin de ne rien manquer. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, un bon appétit, pourquoi pas. Et oh mon dieu, oh il est passé. Et on se retrouve très bientôt, allez salut à tous.